It's so important today. To show that you are making progress, to show that you are indeed productive, you should work hard on yourself, not for any kind of sort of philosophical principle, but you should work hard on yourself in order to become better. And wellness, the way I understand it as an ideology, it's not about being healthy and happy, it's about health and happy as it is packaged. Now is the perfect time, and the season is just right. That beautiful Mount Airy Lodge, all you have to bring is your love of everything. Si on a le bonheur comme objectif, ce que je peux dire avec plus de 30 années de clinique psy, on se condamne au malheur. I love running, it's really fun. D'abord, le bonheur... C'est un truc très aliéné en général, c'est-à-dire qu'on est heureux là où on nous dit d'être heureux. Si tu es au bord de la piscine avec les doigts des pieds en éventail, là tu es heureux ou tu es névrosé, n'est-ce pas? Si tu gagnes beaucoup de sous, tu es heureux ou tu es névrosé, voilà. C'est même ce truc tellement réactionnaire toujours que disent les parents aux enfants, tu as tout pour être heureux. Happy birthday! No way! Happy birthday! Red! Yeah, you don't know how Dad, hard it's this the wrong color. Actually are. Dad, it's red. C'est pas vrai. Il y a pas un tout pour être heureux. Le bonheur n'a pas des conditions nécessaires. Ça arrive de surcroît, en suivant son chemin. Le problème de notre société, c'est qu'il n'a pas la moindre idée de quel pourrait être son chemin. Quoi. Vincent Peale wrote in 1952 a book called The Power of Positive Thinking. Vous n'avez plus mal. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez plus mal. Non. And what he says in that book is that opinions and attitude is more important and much stronger than truth. Auch ja, warum nicht mal sich benutzt wir? Und wir lernen es dafür. Wir sind wir sind mal nicht mehr so. It's all about replacing a failure mindset with a success mindset about going from being poor to going to being rich. So it's extremely individualistic. It's based on the assumption that anyone could be happy, anyone could be healthy, as long as they try hard enough. You know, work hard and it will pay off. Admire how massive I am. Il y a une véritable nouvelle apartheid qui s'est formé comme ça tout seul, hein, qui est un apartheid qui a bonne conscience, parce que ce n'est pas un apartheid racial ou religieux, qui est l'apartheid entre winner et loser. Non, c'est-à-dire, il y a des winners, il y a des losers, ciao, c'est comme ça. Une Rolex, enfin, tout le monde a une Rolex. Hein. S'il y a 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. François Mitterrand. Un winner est quelqu'un qui mérite ce qu'il a, parce que le mec, voilà, il a gagné. Les mécanismes qui consistent à individualiser. Non, de dire, toi tu mérites. Ça, c'est très réactionnaire. It's a very convenient thought to a lot of people. It's convenient for people who are in privileged positions because they could then argue that I am in a privileged position because I had the right attitude, I have been working very hard. You could then say, well, all the poor people could also make it if only they tried hard enough. So it becomes a way of normalizing and accepting how the world looks today. Les Français au boulot, il y aura moins de clodo. Pour faire travailler les gens, merci beaucoup. A lot of people do think that they become a better person if they exercise. Come on. You know, if you're going to tell your wife that I need a little bit time off, saying that you're going to go down to the pub and drink a few pints, that's not probably going to give you any kind of popularity points. If you do, however, say that you're going to go out and run for 2 hours or 3 hours, it's perfectly socially accepted. I have to go home to get to sleep. It's 6 o'clock. You are 38 years old. Why the hell do you have to go home and go to sleep? I'm training for an Iron Man. What the hell is an Iron Man? An Iron Man is a 2.4-mile swim,
then a 112-mile bike ride, then a full 26.2-mile marathon, all within 17 hours. What the fuck is wrong with you? Alors, le problème, c'est que le modèle unique du con qui se lève tôt, qui étudie, qui fait la gym, qui travaille beaucoup, moi, par exemple, ce con-là, eh bien, doit considérer que lui, c'est le modèle, et tous les autres sont les déchets. Il y a quand même dans cet idéal d'être top, de ne pas souffrir, etc., il y a un idéal mortifère, très très morbide, d'avoir la dureté d'une pierre. Mais une pierre ne vit pas, quoi. Pretty fucking good, huh? Yeah, it looks good, man. It looks awesome.